À la CA, nous avons un peu tendance à vouloir être sur tous les fronts. Force est de constater que nos moyens humains, financiers, la baisse imposée du nombre d'élus, simplement vous dire qu'on est passé de 45 élus à 33 élus, va nous obliger à faire des choix. Quelle priorité pour notre agriculture départementale? Nous devons répondre à cette question rapidement dans les semaines et les mois à venir. En premier, l'installation. C'est l'avenir de notre métier. Ensuite, la création de valeur ajoutée, la valorisation de nos produits. C'est ce qui permettra d'améliorer nos revenus et de soutenir nos revenus. Accompagner le changement de nos pratiques. Nous ne produirons pas demain comme nous produisons aujourd'hui. La promotion de nos métiers, de nos produits et de notre agriculture auprès du citoyen consommateur. Et tout ceci en étant présent auprès de l'ensemble des agriculteurs de ce département et pas seulement, comme nous avions un peu l'habitude de faire, d'être présent auprès des agriculteurs que l'on connaît très bien dans nos groupes, GDA et tous les groupes que l'on peut accompagner. Je pense que si on a vu aussi une augmentation de l'abstention assez importante à ces dernières élections, peut-être qu'on peut penser qu'un certain nombre d'agriculteurs ne savaient pas ce qu'on faisait à la Chambre d'agriculture. Je pense que ça sera un enjeu de ce mandat, c'est d'essayer d'être présent auprès de tous les agriculteurs. Soyons réalistes, la tâche sera difficile, mais aussi palpitante. L'engagement de chacun d'entre vous sera nécessaire. Notre directrice, nos chefs de service et l'ensemble des salariés nous accompagneront dans ce challenge. Je voudrais conclure en m'adressant aux salariés de la Chambre. Nouveaux mandats, nouveaux élus, de nouvelles habitudes de travail vont se créer. Le binôme élu-salarié doit être le cœur de notre fonctionnement, chacun dans son rôle. Ayez en tête que le temps des élus est compté. Nous aurons besoin de vos compétences, de votre engagement, de vos avis, de votre patience aussi pour réussir. Vous connaissez aussi mon attachement au fait que chacun se sente bien au travail, à la Chambre d'agriculture, au bien-être au travail, c'est ce qu'on appelle souvent, et je pense qu'on y sera toujours aussi attentif pour que chacun soit bien pour venir travailler à la Chambre d'agriculture et auprès des agriculteurs de ce département. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et merci et bon courage pour ce mandat, ces 6 années de travail. Thank you.